Allez, c'est parti mon kiki, go casser du fiac. On va se faire un petit shipment là direct, comme ça, ça réveille.
What? Mais non, mais j'ai pas le temps de recharger là. Je réfléchissais à une stratégie. Oh, mais je vois rien avec leur fumée. Ça me rend fou, ça. Mais non, mais je l'ai pas vu. Oh, merdas patatas, on se calme. Eh merde. C'est mon dernier chargeur. Heureux Draco, comment tu vas? Punaise! Non! Ah zut! Oh mais je suis nul! Mais non, mais j'arrive à en faire deux, mais pas trois, c'est incroyable ça. Et merde. Ah, c'est sûr que c'est chiant pour jouer ça. Et re-Amélie.
Mais ils sont violents. Hein. Ah là là, mirdas patatas. Ah, c'est une game commencée. Changement de chargeur. Je trouve personne. Oh, c'est des campeurs. D'accord, j'ai compris. Ils sont crus dans Camping Paradis encore. Ils sont tous cachés là-bas. Grenade lancée. Je te couvre. Tire pas n'importe où, bordel. T'es encore en train de jouer, Amélie? Bah, je crois qu'Amélie, elle kiffe un nouveau jeu, là. Ah ouais, t'es motivé. Je sais pas comment tu fais pour jouer aussi longtemps à un jeu.
qu'elle a pris la peau. Ah ouais, il y en avait un de trop. Ah ouais, elle le lâche plus depuis tout à l'heure. Hein. Drone hostile dans la zone. Un Adavalier entre dans le secteur. Oh là, le shoot. Ça, c'était du shoot de qualité, ça, je vous le dis. Encore lui ? Gros sac, bah. Ah ouais, Disney Dreamlight, Dreamlight Valley. J'en ai fait pas mal. Ah, c'est bon, je l'ai. Voir ce que ça donne celui-là. Ah oui, faut que je mette une lunette dessus par contre. Ah, c'est sûr que sinon tes pâtes elles vont pas cuire. Ah, je crois pas. Ah, c'est encore une game qui a déjà commencé, mais pourquoi on me met dans des games qui ont déjà commencé? J'aime pas ça. Oh punaise.
Camping paradis. C'est quoi cette précision là? Ça, c'est un qui se lave pas encore, hein. Je le sens jusqu'ici. Drone ennemi au-dessus. Drone ennemi actif. Sinon, je peux arriver sur la map sans que je me fasse agresser, s'il vous plaît. Oh, mais c'est pas possible! Merde! Fichez-moi la paix! D'accord. Non, mais je te jure, il y en a. C'est criminel d'avoir une précision pareille. T'as voulu me cramer, mec? Eh ben non. Oh! Putain, ils sont tous là en haut. Pourquoi à chaque fois je vais à l'endroit où tous les mecs y sont? Genre c'est criminel! M'énerve plus là-haut. Hello, comment tu vas? J'ai pas de shoot avec cette arme, c'est incroyable. Non, mais je suis sur le mec, c'est une blague. Oh punaise. Comment ça me faire chier lui avec son sniper par contre. Ah, je l'ai eu. Campouse va. Ah mais je me fais giser de partout par contre. Mais je vois rien. J'aime pas arriver dans des games comme ça qui ont déjà commencé, ça m'énerve. Oh, moi je touche pas trop à mes armes, tu sais, je préfère. Ça me saoule.
Mais j'essaye de monter tous mes armes érudits, c'est pour ça. C'est un petit défi que je me suis lancé. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des armes qui me cassent plus les couilles que d'autres, comme celle-ci, par exemple. Ouais, il a freeze. C'était quoi ce vieux freeze? Il m'a fait peur. Genre, il a réussi à m'avoir, d'accord. Oh punaise, elle est pas stable du tout par contre cette arme. Oh, je l'ai pas vu. Je viens de rentrer chez moi. Fait, ma mère était partie rendre un truc à une petite qu'elle gardait. Et vu que ses parents avaient un chien, j'y suis allé. Juste Ouais, tu pour le peux chien. parler, madame. Oui. En plus, il me fait même pas la gueule, mon chien, il est génial. Pas rancunier le tien, c'est pas comme le mien. Hein. Ouais, c'est surtout avec ma mère qu'il est rancunier. Oh punaise. J'hésitais, je dis est-ce que c'est quelqu'un et au final je crois que c'est quelqu'un. Je te vois mec, hein, je suis pas aveugle. Enfin pas encore. Ouais, mais ça me vise de partout là. Ah ouais, je me fais prendre en saucisson suisse moi ici. J'aime pas le saucisson, si j'adore ça. Oh punaise. Bon, je peux déjà rejoindre ton groupe. Billy, arrête de faire des choses que tu n'étais pas censé faire avec mes oreillers, s'il te plaît, je dors là-dessus. C'est bon, j'ai rejoint le groupe. Ça va, mon gros toutou? C'est une horreur cette arme. Toi, le plus beau des toutous, hein? Ben oui. Y en a qui disent que leur boxeur est plus beau que toi, tu te rends compte des conneries?
arme de merde pour tirer de loin ce truc. Donc, faut dire qu'il y a une tête d'idiot le boxeur. Hein. C'est toi qui as une tête d'idiot. Moi je t'emmerde. De même. Série de 10 animations. Oh ouais. Il y en a un qui se lave pas encore. Hein. What? Mais c'est quoi ce malade? Bah oui, c'est le premier, tu m'étonnes. Vous avez vu, j'étais collé à lui, mamie. Bouf. Que c'est beau l'amour. L'amour entre moi et Buddy. Ouais, non, c'est pas de l'amour, hein, je vous rassure. On sait pas trop ce que c'est, mais c'est pas de l'amour. Quand même fallu que je m'y reprenne à tirer deux fois. Hein. Oh, mais quelle arme de merde! L'amour vache. Il y en a que quelques-uns devant vous. Oui bah, fais-le toi-même, petit noix. Petite dame. Dégage. Quand même, mec, je suis pas une débutante à ce point-là non plus. Hein. Drone ennemi actif. Oh, cette arme, c'est une horreur. C'est toi l'horreur. Merde, j'ai plus de balles. De où encore? Oh, encore un campouze. Punaise. T'as la chance que je suis nul au snipe, mec. Ouais, mais non, au fait. Punaise, truc de merde. Punaise, j'ai vraiment pas de shoot avec cette arme de loin. Elle est pas du tout stable cette arme.
crève pas. Hein. Si. Rater ça encore, c'est criminel, connard. Excusez-moi, ça va aller. Je vais juste aller mettre. Qu'est-ce que je vais aller mettre sur cette arme? C'est un canon qui fait en sorte que l'arme est plus stable, non? Ici celle-là. Et on va mettre ça. On verra si c'est mieux. Bon, est-ce que l'autre trou de balle est là? Ouais, c'est bon. Ah bah tu donnes des coups de langue à qui tu veux, Draco. Moi, ça c'est pas mes affaires. Oh non, j'aime pas cette map casse-couille. Encore une mêlée générale. Oh, je vais pouvoir tuer Buddy. Oh allez, non. Essayez de le tuer. Ok, c'est la reprise, c'est la reprise. Encore un troupe duc qui campe. Aïe. Ouah, wow, j'ai cru que c'était un mec à... accroupi qui me visait. Aïe. Non, c'est un mec à hauteur qui te vise. Ouais, bon, là, oui, ça. Merci. Toujours un plaisir de t'éliminer. Toujours un plaisir de me faire chier, surtout. Hein. Drone hostile dans le secteur. Ah ouais, ça passe à travers. Aïe. T'auras pas marre de me faire chier? Vous avez vu ça, il me violente.
Peut-être que si je te bats, ils comprendront qu'on n'est pas ensemble. Ou alors que t'es une femme battue, j'aurai la dasse sur le dos. S'il vous plaît, soyez pas con, dites-vous qu'on n'est pas ensemble. Vous voyez pas les services sociaux. Ouais, on a déjà fait le tour de cette question, en plus. Plein de fois. Trop de fois. Scrogneux, je viens de me faire assassiner. En même temps, c'est un peu le but du jeu, hein, je te dire. Aïe! Attends, c'est toi qui m'as tiré dessus? Je sais pas, bon, je vois pas, je reconnais pas les skins déjà de 1. Oh, tu dois juste chercher un moustachu. Oui, bah, c'est pas parce que y a peut-être plusieurs personnes qui ont le même skin aussi, donc bon. Tu peux me lâcher le fiac un peu? De me faire harceler là. Aïe, mais t'es violence, hein! T'as raison, je vais te laisser me tuer. Oh, genre une fois de temps en temps. Oh punaise, il était caché derrière son colis, quoi. Ah, bon, elle me tue. Je t'ai vu! Aïe, oh, non mais. Putain, je me fais prendre en sandwich. J'espère que c'est un club sandwich. Hein. J'adore les clubs sandwich. Un petit jambon beurre. Pas mauvais non plus. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? J'avais même pas vu, putain. Le mec il est couché par terre, je l'ai même pas vu, j'ai cru que c'était un cadavre. Ouais, mais non, mais non, mais non! Par derrière, ça se fait pas! Ah, par devant non plus! Ça n'a. Mais qu'est-ce qui. Mais sérieusement! Non, mais vous avez vu ça! Il y en a, il me fatigue sur ce jeu! Va sur la grille, y'a un campeur de l'autre côté! Ouais, mais j'arrive jamais à tuer à travers cette foutue grille. Et il est où le campeur? Il est plus là. Sérieusement, j'en peux plus. Je sais pas si c'était lui, mais en tout cas, je l'ai eu. Et toi aussi, dégage. Et toi aussi. Non mais c'est toujours au même endroit que les gens se trouvent. Punaise. Là, il y avait trop de monde. Lui, il en a. Je crois qu'il va bientôt en avoir marre que je le tue, lui.
Il m'a fait du bien celui-là. Ouf. Deuxième. Ouais, t'emballes pas, t'es à 1 kill de différence. Chut. Bon, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est moi le kill final. Salut Quentin. Le pauvre Quentin qui est rentré chez lui, qui n'a pas encore eu le temps de manger, de prendre une douche et de se poser 5 minutes. Ah là là. C'est ça la vie de star. Par contre, moi, ça fait toute la journée que j'ai mal à l'estomac. Comment on fait pour avoir ce genre de lobby? Déjà, bonsoir. Et tu veux dire quoi par là? Qu'on a eu un lobby facile ou qu'on a eu un lobby... Vu qu'on était dans le top 3, je crois qu'on a eu un lobby facile. Faut dire ce qui est. Bon, si mon panda part dans tous les sens, c'est normal, j'ai une crampe. Je suis assis d'une façon un petit peu, hein, faut faire passer la crampe. Ouais, mais c'est bien parce que vu que nous on est nuls, tu sais, de temps en temps, une game avec des gens qui sont encore plus nuls, déjà c'est rassurant pour nous qui sommes nuls parce qu'on se dit qu'il y a pire que nous. Et de deux, ça fait du bien une fois. Voilà, une game où on se fait pas poutrer une fois de temps en temps, genre une game sur 10, c'est bien, tu vois. J'approuve à 400%. Parfait. Oh, on a Groot avec nous. Enfin, la contrefaçon congaise de Groot. Premier sang. Félicitations. Oh, il scope. Ah oui. Ils sont tous là derrière leur petit mur là, me scope. En plus, moi qui ai pas. J'ai un shoot d'éléphant clairement. Cette arme, c'est clairement pas ma meilleure arme, mais vu que j'ai mon petit défi que j'ai lancé à moi-même, je joue jusqu'au bout, même si cette arme me fait vachement chier. Faut dire ce qui est. Trop prévisible. Ah ouais, mais j'ai pas le temps de me récupérer ma vie là. Faut que je pense à m'accroupir pour faire des tirs, c'est un défi, mais j'oublie à chaque fois. Putain, j'ai cru qu'on était en mêlée générale vu que le mec qui m'a tué a la même bannière et le même logo que toi. Il était déjà en train de se réjouir. J'ai tué la panda. Ah non, il m'a tué. M'a volé mon kill. Je l'avais vu. Ça scope au snipe. Fais gaffe, Groot, tu vas te faire tuer. Et fais gaffe, y'a un mec qui rush tout le monde avec un couteau. Enfin, une pioche, théoriquement. Allez, crève là. Je l'ai pas vu. Mais ils se cachent tous derrière les murs. Ça se cache bien. C'est pas très courageux tout ça. Il a réussi à me tuer lui au final. Je viens de me rendre compte que j'ai pas fait attention de pas parler trop fort, mais je crois que ma mère dort pas encore. Sinon j'aurais déjà eu un message. Tu vas fermer ta gueule. Oh le... Miaou. Fils de poulpe.
Ah mais c'est le sniper que j'ai déjà tué deux fois. Attends non, c'est pas le sniper lui. Elle est si trash avec toi. Qui ça? J'ai pas compris. C'était pas le sniper lui, c'était le cutter. Punaise. Ouais, c'est comme ça que j'appelle les mecs qui te foncent dessus avec un couteau. J'ai pas trouvé meilleur nom. Mais de où, hein, de là? Putain. Les yeux, hein. En même temps, j'ai déjà stream 4h30 cet après-midi. On a fait deux bonnes heures de Call of déjà, donc je commence à avoir les yeux qui... Ah non, non, c'était pour rire. Hein. Mais ouais, elle m'envoie, quand je parle trop fort, elle m'envoie un message. Hein. Je sais pas d'où. Ah, de là. Coucou. Camping paradis. Encore un kinescope là-bas. Ah putain, ils sont deux. Mais la précision du mec, ça c'est encore un qui se lave pas, ça schlingue jusqu'ici. Genre j'ai vraiment un millimètre de ma tête qui dépasse le mec qui me la met. Hein. Regardez-moi ça, c'est même pas fichu de jouer correctement, c'est obligé de camper. Ça te surprend encore? Ah mais le pire c'est qu'ils s'organisent bien, ils font des espèces de petits roulements. Fatigue cette soirée. J'ai un ami tout à l'heure qui m'a envoyé, il faut que je te parle. Et tu sais, en général, quand on te dit ça, c'est jamais bon. Tu sens les problèmes arriver. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Effectivement, les problèmes sont arrivés. Non, il a fallu que je lui tire les verres du nez en plus parce que monsieur voulait me voir pour me dire, j'ai dit non, écoute, accouche, moi j'ai pas que ça à faire. Demain je vais au dentiste et tout, j'ai pas le temps. Donc... À moins que tu me payes un chinois buffet à volonté, là je me déplace. Pour un chinois buffet à volonté, je me déplace, mais sinon je me déplace pas. Pour juste un chinois, non. Et si tu me ramènes un âme chinois? Non, putain, mais merde. C'est pas possible d'avoir autant de poids avec mes colis. Elle va me dire je t'invite au resto chinois, Draco. Voilà. Non mais c'est vrai que la panda, elle devient très heureuse quand elle mange au resto chinois. Surtout quand c'est des buffets à volonté parce qu'elle peut se gaver de d'entrées chinoises. J'adore ça. Enfin se gaver, je sais pas me gaver vu que j'ai été opérée à l'estomac mais voilà quoi, vous avez compris. Parce que vous faut savoir que dans ce genre de truc, je ne mange jamais le plat. Je mange que les entrées chinoises toute la soirée. T'sais. En même temps, sushi à volonté pour 20 balles. Ah, j'aime pas les sushis. Moi, je suis plutôt de tout ce qui est... J'aime bien les nouilles aussi. Mais genre... Ouais, aussi. Moi, je vais prendre des nuggets et des frites. Les entrées chinoises, comme ça, fourrées à la friterie... Les scampis fourrés ou des trucs comme ça. Enfin, les crevettes. J'aime bien, genre, prendre les trucs que t'es pas censé prendre là-dedans. Enfin, genre. Tu vois, tu vas dans un resto chinois, tu prends les wok, les trucs comme ça, tu vois. Ouais, ou genre, imagine un resto chinois qui propose des pizzas ou des frites. C'est aucun sens, ce truc. Ah, chez nous, t'as toujours des frites. C'est pour ça toujours que un truc de frites et des nuggets. Mais moi j'en prends toujours une petite portion, vraiment juste pour dire voilà, je l'ai fait, j'ai fait ma connerie, je suis content.
En tout cas, je crois que j'ai eu assez de révélations pour une soirée, là, ça me va. Non mais vous faire foutre les campeurs. Et vous perdez, ça sert à rien de camper, vous perdez. Oui mais camper ça reste drôle. Visiblement puisque les gens continuent à le faire. Moi je trouve que camper on s'ennuie mais bon c'est que mon avis. Dégage toi. Ouh. Oh le sniper. Qu'est-ce que je vais me cuisiner demain soir? Je suis en réflexion. Oh, peut-être un riz cantonais. J'adore trop le riz cantonais. Hein. C'est problématique. Ça devient problématique. Hein. En même temps, c'est vite fait aussi. Et quand t'as la flemme. Ah, d'ailleurs, Quentin, il faut que je vois si je trouve une recette de lasagne avec des épinards. Oh, j'avais trop kiffé ça à Paradise. Elle était bonne cette lasagne épinard. Par contre, je vois rien. Ouais, franchement, c'était hyper bon. Je veux bien la recette. Aïe, ça c'était hyper bon aussi. J'ai perdu 20 neurones. Bon, c'est vrai que le buffet était un peu cher hein, quand même. Je m'attendais pas à ce que ça soit 38 balles quand même. Mais bon, au moins les lasagnes étaient bonnes. Voilà. Ouais, j'ai pas fait une game flamboyante hein, quand même. Ouais, ben voilà. Franchement, si ça aurait été à 30 euros, franchement, j'aurais dit ok, c'est correct, tu vois. Mais 38, tu vois, je trouvais ça un peu cher. Sachant qu'il n'y avait pas les boissons non plus à volonté. Bon, même si je suis pas une grosse buveuse, donc pour moi, ça. Voilà, mais je trouve que ça aurait mérité au moins les boissons comprises. Ouais, 38 balles le buffet à volonté. Je crois que c'est le buffet à volonté le plus cher que j'ai jamais mangé de ma vie. Quoi ? Quoi, quoi ? 38 balles le buffet à volonté ? Ouais. Après, on a, attention, on a bien mangé et tout, c'est pas ça le problème, mais ça, ça valait peut-être pas 38 balles non plus, tu vois, 30 euros. Parce que, sachant que là... Bon, on a chacun payé notre part, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand tu payes une fois, ça va, mais imagine, t'es un père de famille, t'as 6 gosses, plus ta femme. Genre, faut se ruiner pour manger, tu vois. Genre, c'est cher quand même. Sachant que je trouve qu'il n'y avait pas, quand même, il n'y avait pas beaucoup de grosses, grosses tables et de grosses, grosses familles non plus. Hein. En général, c'était des tables de 2, 3, 4 maximum que j'ai vues, hein, personnellement. Et tu m'étonnes à ce prix-là. Ou bien oui, si c'est une grande famille de 10 personnes et que chacun paye sa part, ça va aussi. Mais bon, sinon ça fait mal au cul quand même. Hein. Mais bon, moi je me suis dit, je fais pas ça toutes les semaines. Donc voilà, je peux une fois me faire plaisir et le faire. Mais ouais, c'était cher quand même. Ouais, c'est vrai que c'était 14 euros pour les enfants. Attention, les enfants moins de 12 ans, hein, parce que...
Ouais, il me semble qu'il y avait marqué enfant moins de 12 ans, hein, si je dis pas de conneries. Mais ça, en général, c'est partout. Hein. Ça, j'ai eu quand j'étais petite aussi. D'ailleurs, moi, j'étais toujours très grande. Et je faisais vite 16, 17 ans, or que j'en avais 11. Donc à chaque fois, je devais donner ma carte d'identité pour que mes parents ne devaient pas payer le prix adulte. Ils ne croyaient pas que j'avais 12 ans, enfin moins de 12 ans. Genre, à 13 ans, elle pouvait s'acheter des bières. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, quoique, dans votre pays, je crois que c'est comme un biberon, non? Comme pour aller chercher les clopes pour mes parents, j'ai jamais dû montrer ma carte. Hein. Je crois que j'avais déjà acheté des clopes pour mes parents, j'avais 12-13 ans. Hein. Bien joué, j'ai mis toutes mes balles à côté. Ah. Oh le. Bah ouais, je pensais que ça allait être 30 euros. Et vu qu'on avait attendu quasiment une heure pour pouvoir rentrer, quand j'ai vu 38 euros, j'ai dit ah ouais, c'est un peu cher. Bon, je me suis dit tant pis, parce que ça faisait longtemps qu'on attendait. Donc j'allais pas dire ouais, on va quelque part d'autre. J'avais trop faim en plus. Une soif aussi. Exactement, fils de poulpe. Ou crotte de biquette. Demain, faut que j'aille pour mes dents. J'ai la flemme. Enfin, pour ma dent. J'espère que je vais pas avoir mal. Bon, j'ai déjà eu une extraction dentaire. Ça m'avait pas fait mal. Donc, j'espère que voilà. Ouais, si c'est bien anesthésié, techniquement, tu sens rien. Ouais, techniquement, non. Par contre, quand l'anesthésie elle merde et que ça marche pas, là. Ouais, mais là, je lui fous une baffe hein, au mec ou à la meuf, clairement. J'espère qu'ils vont être à l'heure aussi parce que je vais avoir, s'ils me font attendre une heure, je vais avoir la flemme quoi. Élimination confirmée. Je recharge. Pourquoi on a décidé que les gens qui avaient des couteaux, on en faisait des putains de marathoniens. Il s'est pris pour je sais pas qui, mais il a voulu m'agresser lui. Attirail modifié. Oh le. Ouais, ça c'est mon bonheur ça. Une heure de retard avec 8 gosses qui courent partout dans la salle d'attente. Là franchement, je serai au max du max là. Ouais, je l'attends l'autre connard avec son bouclier. Qui s'approche de moi, j'ai du Semtex pour lui. Les gens ils vont finir par croire que j'aime pas les enfants. C'est pas que j'aime pas les enfants, hein. Je les déteste. C'est juste que déjà j'en veux pas moi. Et oui, je trouve ça. Il y a des gens, des enfants bien élevés, genre qui vont se tenir, et il y a des enfants pas bien élevés, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je les mange avec beurre. Avec du beurre à l'ail.
encore lui, mais je... Oh, et lui par contre avec son truc... Avec son quoi, son bouclier? Ouais. J'ai un plan, mais il faut que je le croise pour le mettre en pratique. À chaque fois, il met son bouclier. Et puis, il me lance un truc et il me bute. Forcément. Ah, mais moi, je me suis mis une Semtex. Ça marche, bonne douche. Vas-y vite avant que Gwen te rappelle. Ou moi, non, je rigole. Parce que moi, j'aime pas passer des appels, donc ça risque pas. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est perdre mon temps au téléphone. Oh, je suis plus SMS. Ah, je peux parler, genre je peux envoyer 1000 messages à quelqu'un par jour, ça me dérange pas. Par contre, être au téléphone, ça c'est fou, je peux pas. Genre 5 minutes, j'en ai déjà marre. Ah, ça va, t'es tranquille alors. Ça me vise de je ne sais où. Oh, je l'ai eu. Double élimination. Oh, let's go. Oh, je l'ai eu, le mec avec son bouclier. Pour pouvoir jouer, c'est point d'exclamation ajout. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai... Ok, j'ai peur. Chaque fois que je dis à Luna, t'es belle comme un cœur, il y a Billy qui me regarde de travers en mode hey. Du coup, je suis obligé de dire. Oh. Du coup, je suis obligé de dire, mais toi aussi, mon cœur, t'es le plus beau. J'aime c'est mieux. T'es le chien, t'es regarde en mode cité, j'aime mieux. D'ailleurs, c'est son anniv demain.
J'en ai rien à foutre. Il a 6 ans. Par contre, il faut qu'il rajeunisse, là, parce que... Et après-demain, c'est celui de mon frère. Du coup, mon frère a un jour de plus que ton chien. Enfin, non. Attends. Enfin, un jour de moins, plutôt. Et quelques années aussi de plus. À moins que ton chien réussisse à vivre le vénérable âge de 26 ans, je crois, 27, 28, je sais plus. C'est grave de pas connaître la nif de son frère. Enfin, l'âge de son frère. Oui, oui, oui. Oh, ça va alors. Il a mon âge. J'ai juste des deux en maths, c'est bon. Ouais, t'es de 96 aussi ? Non, 95. Bon, bah alors je sais pas compter. Je vais avoir 28. Enfin, du alors je sais compter. C'est le pire, c'est quand j'ai dit alors t'as 27. Alors t'es de 96 aussi, je me suis dit, elle va me dire 95. Ou 97 à tous les coups. Tiens ! Oh merde. Fuyard, va. Je vais te faire un peu n'importe quoi cette game. Punaise. Lui, il sort d'où, lui? Oh, qu'est-ce qu'il y a là, ma sœur, encore à m'envoyer des messages? Il me casse les couilles dans cette maison. Quoi? Non, mais c'est pas possible, là. Il crève jamais, lui, je sais comment. Punaise. Mais putain, mais j'ai... Coucou Difab, comment ça va? Ça va, ça va. Ça va plus. Mais attends, comment ça, y a aucune balle qui est rentrée? Mais non, pas assistance.
punaise, il m'a fait peur lui. Faut pas faire peur aux gens comme ça. Hein. Punaise. Il est où? Ah, je l'ai eu. On avait un trop. Ennemi repéré. Je lance une grenade. Je suis en train de recharger. Une dispersion ennemie. Ah, mercredi, il y aura pas demain, du coup, il y aura pas de live, hein, n'oublie pas. Ouais, dommage, hein, j'étais pas loin. Non, mais punaise, quel genre de campeur. Cette game me pompe le dard. C'est un bordel le truc. Ouais, j'ai du mal à regarder ma carte, hein, j'avoue. Je regarde pas le sol non plus, donc je me prends toujours des mines dans la tronche. Il y a trop de trucs à regarder sur ce jeu. Thank you.
Oh putain, non. J'ai pas de shoot. Je n'ai pas de shoot. Mais sans déconner, il a vraiment rien d'autre à foutre celui-là. On vient de commencer, il est déjà vénère. Non mais ça me saoule, les mecs qui t'attendent toute leur vie jusqu'à ce que tu sortes pour te détruire. C'est vache. Ouais, désolé, il fallait que je me passe l'air sur quelqu'un. C'est encore tombé sur ma pomme. C'est encore toi qui me tire là. Merde. Cochon. Tu peux parler. Je pensais qu'il allait dire cochon ou un truc dans le genre. Loupé. Aïe. Tu disais ? T'as loupé. Bah là, je t'ai eu. Oh putain, un campeur comme ça. Il est vénère, lui. C'était trop calme. Alerte maximale. J'ai fait une bonne action, j'ai tué un campeur. Félicitations. Là, moi, j'ai fait un petit tour sur moi-même. Je connais pas encore bien cette map, me jugez pas. Ouch. Alors lui, c'est le pire de tous. Un mec vêtu de noir ? Oh, je sais plus. Ils sont tous en train de camper de toute façon. Zandex, ça vous ferait chier d'arrêter de camper ? Il y en a un juste derrière là, tiens. Je l'avais dit. Je sais même pas de où. Merci pour enlever la tourelle, mais malheureusement je vais devoir te buter. En plus c'est lui le campeur qui m'a fumé. Sérieusement, mais...
Mais non, mais... J'en peux plus. C'est quoi ce lobby? Non, Nicki Minaj, on est moins fort qu'en Campa. Comme c'est surprenant. Je hais cette game. D'où ça me vise? Ah, voilà. Allez, dégage. Toi, dégage. Je t'emmerde. Et Buddy, il a bien me tiré dans le fiac. Il est tellement gros que c'est dur de le rater en même temps. C'est pas faux. C'est pas faux. Pas de shoot. Écoute, moi au moins j'ai des protections arrière. Pas très efficace à ce que je vois. Pas sur Call of, non. Punaise. Mais à chaque fois, je pris en sandwich à chaque fois. Je peux pas tirer sur deux mecs à la fois. Mort. Là on campe. M'énerve rien. Ouf, je peux faire plusieurs choses en même temps, mais faut le vouloir. Hein. C'est ça surtout. C'est une femme, bien sûr qu'elle le peut. Arrête de faire des trucs à mes oreillers là. Je dors là-dessus. Hein. Trop de bol. Sèche les roubignoles sur mon oreiller celui-là. Je crois que je vais changer mes têtes d'oreiller avant d'aller dormir. N'empêche, il devrait faire des Call of où les bâtiments où tout est destructible. Montrer ta tête, pétasse. Merci. Au moins, j'aurais tué cette Nicki Minaj une dernière fois. Thank you.
Bon, moi j'ai arrêté là, j'avais bouffé. Bon app. On a brûlé, ça suffit pour l'instant. Oh putain, d'ailleurs, je viens de débloquer l'outil ultime du campeur. L'insertion tactique. Ce truc, c'est à double tranchant. Si tu t'es fait tuer par un sniper, c'est pratique parce que tu reviens exactement là où t'es mort, mais si le mec il t'attendait, bah du coup il va t'attendre à ton insertion et te tuer derrière. Ah là là. Oui, à plus. À plus. Oh punaise! Oh le rototo! Putain, je voyais rien avec mon coéquipier devant, avec son gros fiac là. Alors on dit que c'est moi qui ai un gros fiac. Ça me tire, je sais même pas d'où ça me tirait. Aïe. Violence. Survol de reconnaissance. Reçu. Le drone survole la. Ils campaient tous ici. Ils sont pas mignons. L'action que je viens de faire. Bah. Oh, triple élimination. Namasté. Sérieusement, comment il a fait pour monter là, ce débile? Attention, attention, collision,
Oh, je l'ai eu. In space. Search to round. Aïe, oui, aïe. Je te couvre. Bah déjà, pour pouvoir jouer, il faut être follow à la chaîne. Et de deux, il faut faire le point d'exclamation qui correspond au jeu. Donc pour Call of, c'est Call of Duty pour m'ajouter, tout simplement. Merci. Et ouais, point d'exclamation Call of Duty, t'auras mon Activision. Bande de camping paradis, c'est horrible. Genre je l'ai pas eu. Je vais te couvrir. On a perdu la première place. Oh, je suis zen, moi, j'ai rien dit. Aïe. Je suis toujours zen. Ouais, tu m'as ajouté, par contre la prochaine sera potentiellement la dernière de la soirée. Oh, celui-là, tant de satisfaction, pleine tête. Punaise. Drone hostile dans le secteur. Ah mais c'est le cas, hein. Je suis en train d'insulter salement les gens intérieurement. Punaise, qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Camping paradis.
je suis première de ma team, ce qui est problématique. Et ce qui est du coup la raison pour laquelle on a perdu. Parce que j'étais avec des noobs. Avec des nuls. Wally Wallou. J'ai chaud. Ah non, ça se mérite, hein. C'est comme tout dans la vie. Pour les gens qui sont habitués à la chaîne, à partir d'un moment... J'active le micro, mais sinon, quand je connais pas trop, j'évite. Regardez-moi ces campouses là. Allez. Rien que pour ça, je hais cette map, mais vraiment. J'ai plus de mine. J'ai fait un carnage. On demande un survol de reconnaissance. Bien sûr, notre drone arrive sur zone. Changement de chargeur. On va se calmer, Draco. Ça, assistance. Je vais vider tout mon chargeur dans la tronche. Assistance. Je suis derrière toi. J'ai pas de shoot par contre. Grenade lancée. Colis stratégique hostile dans le secteur. Changement de chargeur. Mais je suis sur elle. Je couvre
Je vois ça, je vois ça. Tu veux bien monter mon perso, s'il te plaît? J'en ai eu un. Je recharge, je lance une grenade. Drone ennemi juste au-dessus. Je surveille tes arrières. Grenade lancée. Je te couvre. On est à mi-chemin de la victoire. Continuez comme ça. Notre drone est en train de survoler la zone. Drone allié déployé. Drone allié déployé. Drone est en attente. On demande un survol de reconnaissance. Bien sûr. Oh punaise. Celui-là il fait mal. Je suis on fire. Allez, ça dégage. Je fais le ménage. Je suis révolté là. Ouf, punaise. Une tour près. Drone allié déployé. Oh bordel. Oh non, je voulais le buter. Il y en avait un trop. Notre drone est en train de survoler la zone. Grenade! Grenade! Dégage! Drone hostile dans le secteur. Waouh! Ah, elle était bien! Je crois qu'on va arrêter sur cette belle game parce que faut pas forcer le destin.
Space Man. Je suis de bonne humeur. Je viens d'apprendre des dingueries ce soir, mais je suis de bonne humeur quand même. Non, non, là, il faut que j'aille m'occuper des toutous. Et mon canapé aussi, il est bien, il est confort. Donc je vais encore me regarder un épisode de ma petite série, un ou deux épisodes, et puis on va faire le dodo. Du coup, je vous dis bonne soirée, et du coup, pas de stream demain, n'oubliez pas, je vous dis à jeudi.